Allez Max, dernier tutoriel normalement pour arriver au bout de cette expérience. Pas douloureuse, mais presque. Nous allons mettre les bras. Pour ça, tu as vu, j'ai créé, j'ai normalement. Donc il va falloir que tu fasses attention à Ziggs. Parce que là, il est quand même fragile. Les pieds, t'as vu, se partent facilement. Donc là, j'essaie de te montrer. Il y a ici des espaces qui ont été créés, tu vois. Ici, ici, je crois aussi ici. Et donc, c'est ici qu'on va loger des pièces que l'on va fabriquer de suite. Voilà, alors elles sont là. Moi, je les avais déjà fabriquées. Mais si je te le montre en direct, je les défais. Donc là, tu as besoin de 6 pièces pour en fabriquer une. On va zoomer. Donc, à l'aide, tu prends ton triangle, tu déplies deux triangles, quatre triangles, tu déplies comme ça. Et voilà le quatrième. Tu en auras besoin d'un autre entier. Et tu rentres un triangle dans le même emplacement où tu as mis ce premier triangle, tu mets le deuxième bras d'un triangle. Tu vois, ça te donne ça. Et ensuite, dans l'autre, tu mets les deux autres. Un et deux. D'accord? Ça te fait ça. Et donc ensuite, tu vas joindre, tu vas refermer le tout avec un dernier triangle. Voilà, tu sais, les pieds enfoncés. Et donc, nous allons fabriquer 6, 3 pour chaque bras. Donc il faut que tu en fabriques 6, hein. Il va falloir les placer dans les bras. Comme ceci. Donc en fait là je regarde même plus ce que je fais, je regarde la vidéo directement. Je crois que c'est ça. Ici, alors fais attention à pas casser les zigs, parce que t'as pas vraiment beaucoup d'appui avec la main gauche pour appuyer. Donc il faut que tu, à la limite, tu vois, tu regarde, je te montre, tu glisses ton pouce comme ça pour avoir, pour pouvoir appuyer et tes mains comme ça. Et le dernier, tu laisses ta main. Alors, je me suis trompé. Non, ça va peut-être passer. Est-ce que ça passe? Ouais, ça passe. C'est pas terrible. Donc, je me suis trompé. Tu défais. C'est le direct live. Ça, tu défais aussi. C'est celle-là là, qui est à décaler. Tu vois, franchement, c'est pas facile, hein. Il faut que je te montre vraiment bien où c'est. Là, pas. Donc là, tu vois, tu as le trou là. C'est ce trou là. Et ce trou là. Ok. Et si, par hasard, tu n'avais pas la même configuration que moi, ce qui peut être possible, hein, il faut. Normalement, enfin, il faut trouver l'endroit où la pièce elle peut le facilement passer quoi pour en loger 3. Ensuite ici et ensuite ici. Donc là, j'ai tout démonté la tête.
Non, même pas. C'est bizarre, on dirait pourtant que j'ai perdu des pièces. Il n'y a pas un rond. Bon, écoute. Donc là, maintenant que tu as mis ces trois pièces-là, c'est fragile, hein? Donc tu peux pas. On va mettre. Donc fais attention à bien mettre ton bras droit. Donc le pouce en avant. Là, on n'est pas sur le bras droit. Tu vas ici. Donc il faut faire attention parce que ces trucs-là sont fragiles, donc essaye de prendre au milieu. Pour y arriver, tu mets ta main là, tu l'as juste. Non, ça tu le feras à la fin. Alors que je me souvienne, parce que même pour moi, c'est pas. Tu vois. Je crois que c'est à peu près. Ouais, c'est comme ça. En fait, là, ici, tu vois, tu vas les relever. Parce qu'en fait, ils doivent arriver presque pas perpendiculairement. Et ensuite, tu vois, tu fais comme ça. Donc, c'est toi, tu tiens hein, vraiment ici, là. Ici, tu essaies de faire que les pièces rentrent. C'est important que ces deux-là, elles restent coincées, qu'elles passent pas l'une sur l'autre. Ça permet vraiment de. Comme ça, de faire pression sur tous les trucs et de les garder ensemble. Ça crée une pression, quoi. Et donc, toi, tu appuies sur la tête, les hauts des triangles, là. Donc, tu as ton zigs. Si tu vois ma position, faudrait que tu vois ma position. Je suis à fond dézoomé. Qui est collé contre ma poitrine. Ensuite, là, je tiens le bras avec une main. Et avec l'autre, j'appuie sur les triangles. Une fois que tu as fait ça, là, ça tient. Mais. Si tu le bouges, ça va vite tomber. Donc, tu tiens toujours. Je te montre à la caméra. Tu vois, la main de zigzag elle est quand même amovible. Il faut juste que tu cales les doigts. Donc, bien sûr, avant, tu t'es assuré que tes pièces étaient quand même toutes bien enfoncées pour pas que ton bras se tombe en morceaux. Et tu plantes juste un doigt n'importe où tu veux. Là, dans les. Voilà. N'importe où tu veux, dans les triangles qui sont en bas du pantalon. Comme ça, la main est soutenue. Et le bras tiendra. Voilà, tu vois. Alors, désolé, je ne suis pas bien placé. Voilà. Si tu regardes, voilà, ça tient. Ok. Tu peux après, si tu veux, tu vois, tu peux arrondir un peu en tenant là, ici. Hein. Et toujours, pense bien, c'est hyper important que ta main soit plantée dans le pantalon de zigs pour empêcher ici le poids du bras finalement de venir défaire le système ici. C'est pas un système très solide, quoi. Ça tient. Ça permet de tenir, mais si c'est. Il faut absolument que les doigts là soient mis dans le pantalon de Ziggs. Voilà. Allez. On fait le deuxième bras. Donc, on cherche l'endroit le plus adapté, le plus à l'extrémité. Donc, tu vas aller chercher. Et je pense que le plus à l'extrémité, c'est là. On va zoomer pour que tu puisses bien trouver.